Chères Pipriatennes, chers Pipriatins, je vous souhaite une très bonne année 2021 avec toute l'équipe municipale. Qu'elle soit source de relations familiales et amicales épanouies, qu'elle soit source également de réussites associatives ou professionnelles, qu'elle soit source également de santé, notamment dans ces temps très compliqués que nous vivons depuis mars 2020. Je tiens également à remercier tous ceux qui se sont mobilisés pendant cette crise sanitaire, notamment pendant les deux confinements. Je pense à tous ceux qui sont mobilisés avec les associations caritatives et qui ont permis justement d'aller vers ceux qui étaient les plus isolés, les plus fragiles de la commune. Je tiens également à remercier l'ensemble des commerçants, artisans et entrepreneurs de la commune qui, malgré les crises, ont réussi à se mobiliser pour garder leur dynamique. Croyez bien que la commune continuera à les appuyer autant qu'elle pourra. Enfin, je remercie profondément les élus et agents de la commune qui ont été sur le terrain pendant toute la durée de cette crise et qui ont tenu aussi à ce que le service public soit garanti au sein de Pipriac. Je vais revenir aussi sur ce qui a marqué 2020, notamment pour la municipalité. Les élections municipales qui se sont déroulées en mars dernier ont permis l'installation du nouveau conseil municipal à la fin du mois de mai. Dès ce début du mandat, nous avons pu enclencher nombre de travaux, notamment la fin de la rénovation de la mairie, mais aussi le choix de l'architecte que nous avons dû mener pour le nouveau projet d'équipement socioculturel qui se trouvera sur l'îlot de la Minoterie, donc un équipement qui comprendra une médiathèque, une maison de service à tous les publics, des salles associatives et également une salle de spectacle. Nous avons également repris le travail avec Redon Agglomération sur la mise en place d'une nouvelle zone d'activité à Pipriac, sur la partie Vallée du Couchant. Nous verrons là une vingtaine d'entreprises s'installer dans les années qui viennent pour continuer à apporter cette dynamique à la commune de Pipriac. La commune de Pipriac connaît aussi une demande très forte en termes de logement. Nous avons donc souhaité remettre vraiment nombre de projets en route, permettant ainsi d'accueillir d'autres ou de nouveaux habitants dans la commune. Nous avons continué notre bataille pour l'emploi, notamment avec le projet Territoire Zéro Chômeur, qui a vu depuis sa création en 2017 plus de 115 embauches sur le territoire de la commune de Pipriac et de Saint-Ganton. Une nouvelle loi votée en novembre 2020 nous permet d'ailleurs de continuer le projet pendant 5 ans supplémentaires, ce qui nous donnera l'occasion de faire que Pipriac soit une commune de plein emploi pendant les années qui viennent. Les professionnels de santé de la commune ont su se mobiliser également pour assurer les remplacements de médecins qui ont dû partir et ainsi garder notre dynamique médicale sur Pipriac au profit du bassin de vie qui est le nôtre. Nous avons également eu le plaisir dans la commune d'avoir un prix, le prix de l'embellissement de la commune par l'Agence départementale de tourisme. C'est le premier prix que nous avons et là je remercie les équipes techniques qui au quotidien œuvrent pour que notre commune soit de plus en plus jolie. Pipriac a de très nombreux atouts. Nous sommes idéalement placés au sud du département d'Ille-et-Vilaine, auprès de cette 4 voies Rennes-Redon. Et nous avons donc candidaté auprès de l'État pour être petite ville de demain, ce qui nous permettra de jouer un rôle de centralité pour les communes du bassin de vie de Pipriac, et de faire ainsi que notre commune se développe, ait de nouveaux services et permet d'accueillir de nouveaux habitants. Enfin, les élus de Pipriac sont pleinement engagés au quotidien au service des habitants de la commune. Nous travaillons aussi en dehors, notamment à Redon Agglomération, où nous pesons tout notre poids pour que Pipriac soit un pôle relais identifié à Redon Agglomération. Et nous travaillons aussi en lien avec le département d'Ille-et-Vilaine pour amener du développement sur ce sud du département qu'il mérite, avec une commune dont on peut être tous légitimement fiers. Enfin, pour terminer le bilan de cette année 2020, je tiens vraiment à tous vous remercier pour vos contributions au service de la commune de Pipriac, qu'elles soient dans le domaine associatif ou dans le domaine économique ou dans le domaine social. Merci à tous car c'est aussi vous qui amenez toute la dynamique de notre commune et le fait qu'on y vive très bien. En 2021, l'équipe municipale va continuer à être pleinement engagée au service de Pipriac, avec notamment l'écriture et la finalisation de notre projet de mandature qui permettra de vous donner tout ce qui va se passer pendant les 5 ans qui vont suivre. Nous vous invitons également à nous rejoindre au sein d'une commission extra-municipale pour que vos propositions puissent justement compléter tout le programme municipal que nous avons engagé. Ce sera aussi l'occasion avec vous de mettre en place un budget participatif pour que l'ensemble des habitants puissent là proposer les projets qui leur semblent importants et intéressants pour la commune. La mobilité va également être un sujet important pour 2021 puisque nous allons là entamer une grande étude permettant de voir et de constater ce qui fonctionne mal et ce qui donc devra être amélioré pour permettre à chacun de bien circuler, qu'on soit piéton, cycliste ou en voiture. 2021
sera aussi, nous l'espérons tous, l'occasion de nous retrouver au sein de nombreuses manifestations de la commune. Nous aurons l'occasion d'inaugurer la mairie, effectivement récemment rénovée, mais nous aurons, j'espère, aussi l'occasion de nous retrouver à toutes les fêtes locales. C'est ensemble, collectivement, que nous réussirons à ce que Pipriac continue à être une ville agréable à vivre, mais également en plein développement au bénéfice de tous ses habitants.